On arrive sur place, on descend de la voiture et on flippe à mort. Waouh! Studio! On arrive dans le couloir, gentiment, on avance. Avec un peu d'appréhension, en se disant mais qu'est-ce qui va nous attendre? Moi j'ai un peu l'habitude des rendez-vous, mais malgré tout, j'ai quand même un peu de stress. Hello! Hi! Hello! You speak French? No, just okay. A little. How are you? Je m'appelle Guy. Ah, je m'appelle Shana. Shana, hello Shana. Hi. Nice to meet you, this is Jonas. Nice to meet you. On rentre, très beau studio, deux messieurs qui nous attendent. Donc on commence à discuter avec eux. Moi je parle pas très bien anglais, j'essaie de me débrouiller à comprendre. Welcome to our studio. Thanks. Come on in, make yourselves at home. Yes, Fabrice told me about you guys, so welcome. And today you're going to do some performance and we're going to listen to some things as well. Okay. What have you got in store for us today? Et là, bah, on commence à discuter qui sait, fait quoi, qu'est-ce qu'on va faire. On lui dit qu'on va interpréter donc, une chanson, qu'on a trouvé une chanson qui allait plus ou moins pour toutes les deux. We can sing the song that you asked. Oh, sure, okay. Tu veux faire quoi, là? Bah, je vais prendre la guitare, déjà. Ouais. Okay. What do you... On commence par qui? Toi? N'importe. Maybe her or oh, I. Oh, sure. I don't know. Me? Yeah, sure. Tu commences? Yeah. Vas-y. Okay, she starts. Okay, fantastic. De là, on me demande de passer en premier. Donc, je vais chanter la chanson qu'on a choisie à deux. Là, j'ai le stress. Déjà, j'oublie d'enlever une oreille au casque. Je m'entends pas très bien. J'essaye de donner ce que je peux. Donc, sur le moment, ça va, je me sens bien, mais pas trop. Un, deux. Par contre, là, j'entends rien. J'entends pas ma voix. She's not... Une catastrophe. C'est vrai que je me dis, là, le stress de ouf. That sounds good. Ah. Shana, bah, c'était une de ses premières fois en studio. C'est vrai que c'est stressant pour elle, parce que c'est maintenant qu'elle va pouvoir vraiment se faire évaluer par une grosse pointure. Et je pense que elle l'a ressenti aussi comme un gros stress. OK. Yes. Shana rentre dans le studio, donc ça, c'est très juste, c'est, elle chante magnifiquement bien, pas une fausse note. Et elle commence à chanter et puis voilà, ils écoutent, ils sont là, ils écoutent attentivement. Bah Shana s'en sort plutôt bien, hein. Et c'est quand même pas facile. Elle arrive là, elle doit tout donner. Avec ce qu'elle a. Excellent. Cool. Stressé de la vie, non, c'est... Yeah, sounds great. Come on in. Je vois Shana en sortant de la cabine un peu stressée, un peu soulagée, mi-stressée, mi-soulagée. Je voulais savoir comment elle l'avait trouvé. Et le retour fut positif. You've got a great tone, sounds really good. Obviously, you work on your pitch a little bit and things like that, but you've got a great sound, really good sound. Shana, elle a déjà un grain de voix. Elle a quelque chose d'intéressant. Elle a la voix un peu cassée, ce qui fait déjà une part de son identité vocale. Maintenant, il faut travailler un peu plus. One of the things you'll find too with singing is that you get your own sound. You have to find, you know, that core, I guess, and something that makes you unique. Il lui donne un peu des conseils, il lui dit voilà, il faut trouver en fait ton identité vocale qui fait que tiens, voilà, cette chanteuse-là, c'est un long travail, mais je suis sûre qu'elle va y arriver si elle bosse, quoi. C'est une vraie bosseuse. OK. All right. All right. OK. What do you want me to sing the same? Oh, sure, yeah, let's All do right. that, but well let's done. Go. Merci. Bravo. Fantastique. Bravo. Donc, c'est mon tour. Et là, je rentre dans la cabine, j'étais stressée à mort. Ça se voyait pas, mais à l'intérieur, franchement, j'étais mais dead. Okay. All right. All right. Okay. What do you want me to sing the same? Oh sure, yeah, let's All do right. that. Donc c'est mon tour. J'étais stressée à mort. Ça se voyait pas, mais à l'intérieur, franchement, j'étais mais dead. Let's go. I love your studio. Vient le tour de Dania. Donc Dania, elle prend vite les choses en main et on sent que c'est pas pam pim pam poum. I keep your picture beside my bed. Mm. J'avais la voix qui tremblait, mais j'ai essayé de prendre plaisir à ce que je faisais, en fait. Je la trouve très compétitrice. Ah ouais? Ouais, je la trouve très compétitrice et je trouve que
Je sais pas, c'est peut-être moi, je sais rien. Je... Ok, from the top, yeah? Yeah. Le problème, c'est vu que je la sens un peu. Je la sens un peu comme t'as dit. Du coup, je sais qu'elle m'a dit qu'elle voulait me donner des cours et tout, mais j'ai pas l'impression qu'au fond, elle veut vraiment. Exactement. J'ai exactement la même sensation que toi. J'ose pas dire parce que j'ai peur de passer pour la méchante. J'ai pas, mais j'ai pas l'impression qu'elle veut vraiment t'aider. Voilà. Dans le rendez-vous, moi, j'ai quand même une impression qui m'est désagréable. On a vraiment l'impression que c'est le rendez-vous de Dania. Shana, c'était une parenthèse. Pour moi, je l'ai pris presque comme un challenge, quoi. Il fallait que je lui montre de quoi j'étais capable, qu'est-ce que je faisais, quel était mon univers. Quand je sors de la cabine, bah les filles, oui, elles avaient l'air enthousiastes. Moi, pas. Well, you sound great, really great. Yeah, thank you. Very, very good. Thank you. Do you think I found my? I do. Yeah. Yeah. Mm-hmm. And again, you know, like everyone, you've got to work on it and yeah. And keep perfecting it. Yeah. M'a dit simplement que j'avais quelque chose dans la voix, que j'avais trouvé mon identité vocale, et là, je me suis dit, ah cool, ok, il l'a remarqué. Have you got anything else you'd like to share with us today? Yep. You're gonna play us a song. I know, I can feel it. Yeah. All right. Je sors mon CD, mon album. J'étais contente de pouvoir lui présenter quelque chose. Dania monopolise la situation, tout est pour elle. Nelly se met à pleurer pour moi parce que ça lui fait de la peine pour moi de voir que je suis dans mon coin. Je suis pas bien, c'est pas bien. Je suis d'accord avec toi, mais laisse tomber. Je vais pas m'énerver, on est professionnel justement, faut rester professionnel, donc je reste dans mon coin. Ça sert à rien, laisse tomber, vraiment. T'inquiète, c'est moi. Ouais, je sais, non, c'est moi. Je sais, c'est parce que tu m'aimes bien, mais laisse tomber. Ça m'a fait monter les larmes parce que ça m'a foutu les boules pour Shana, parce qu'elle était toute seule en arrière, ça m'a fait de la peine pour elle. I think, you know, listening, my immediate observation, just my observation, yeah. I think you really suit kind of the first style of music, more of that sort of like pop rock thing. Pop really, rock. Yeah, you sound great. Yeah. Really good. Il a dit que c'était excellent. Alors, bah, je suis contente, je me dis, bon, bah, c'est cool. Et il m'a dit, work hard. Et là, je me suis dit, bah oui, évidemment. So thank you for coming today. You've both thank done you, a fantastic job. Thanks. And I've really enjoyed your company. Keep up the good work, and I'll be reporting to Fabrice. Fantastic. I know, okay, I know. Good. Thank you. Thanks for your time. You're very welcome. Thanks for coming thanks. Today. Le rendez-vous se termine, donc je suis quand même contente d'avoir passé ce rendez-vous. Je remets un peu les choses au clair avec Dania. Je lui dis, écoute, je comprends que t'es professionnelle, je comprends que t'as plein de choses à présenter. Par contre, tu t'es vachement mis en avant. Je sens que t'as envie de m'aider, mais que d'un côté, t'as pas envie. Je suis honnête avec toi, vraiment. Non, c'est pas ça du tout. Après, pour l'instant, je fonce, quoi. Il m'a donné un coup, je me suis dit, oh non. effectivement, franchement, et elle avait raison, je me suis pas rendu compte sur le moment. J'avais pas l'impression que je pouvais en fait un peu en placer une. Mais après, je comprends. Je suis désolée, vraiment. Non, je suis désolée. Je t'assure, je me sens pas du tout en compète avec toi. Mais pas du tout. Non, mais c'est même pas de la compétition. C'est que je me dis que t'avais envie de vraiment tout montrer aujourd'hui. C'est quelque chose que je comprends. C'est juste que, voilà. Toi, la musique, c'est toute ta vie. Y a pas de soucis, je le comprends. Mais ne mets pas les gens de côté comme ça. Donc j'ai remis un peu les choses au clair avec elle. Et elle s'est excusée. Et en fait, je lui en veux pas. Tu t'es senti bien, t'as voulu bien faire et bah, tout. J'ai passé un bon moment en fait. Bien sûr, moi aussi, mais. C'est ça, c'est que. Bien sûr. Allez, go. On voulait vraiment finir ce rendez-vous bien. Et on décide d'aller à la plage. Merci.